Les informations que je vais vous présenter m'ont été communiquées en deux temps. En 2016, par mon contact extraterrestre Zen, lors d'analyse et d'investigation des événements terrestres que j'ai faites en sa compagnie pendant plusieurs années. Et qui ressurgissent aujourd'hui sous d'autres formes, mais du point de vue extraterrestre, sur Terre et des élites organisatrices de ces événements. Donc, la première partie est en quelque sorte une introduction ou une présentation théorique de ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais partager ces informations de 2016 avec des extraits de mon livre Premier Contact, en commençant par les traités qui ont été signés entre des gouvernements terrestres et les extraterrestres depuis les années 1930. Et dans un second temps et une seconde partie, j'introduirai des extraits de mon livre artificiel sur la Lune que je relirai à la transition actuelle en donnant un nouvel éclairage. Difficilement perceptible, car il faut balayer large sur une longue période et un lent déploiement au fil des siècles, une transformation imperceptible mais radicale de la société semble s'orienter vers un double courant. D'aucuns, ne sachant pas que ce mouvement est fomenté par des races interstellaires, épouse et favorise le changement ou, au contraire, résiste et l'entrave. Dans l'un ou l'autre cas, ils suivent, sans en être conscients, le programme de développement de l'humanité terrestre sous contrôle extraterrestre. À première vue, ces mutations qui se déroulent sur une période de plusieurs décennies, voire des siècles, semblent les parties intrinsèques du développement des peuples et le résultat d'une évolution naturelle. Mais en y regardant de plus près, on constate qu'elles reposent de plus en plus sur des bases artificielles qui alimente des structures de pouvoir et de contrôle. Ceux qui ne savent pas que des groupes d'extraterrestres interviennent dans le développement de l'humanité validé par des traités pensent que de petits groupes d'élite sont responsables de ces changements. Certes, mais ils n'en sont pas les initiateurs, ils répondent aux incitations et aux influences extraterrestres et sont aussi l'objet de manipulations qu'ils répercutent vers les populations. Leur responsabilité réside dans le fait qu'ils acceptent de le faire. D'aucuns pourraient s'étonner du jeu du chat et de la souris dans le domaine spatial ou du manque d'empressement des gouvernements à rendre officielles
l'existence de peuples non terrestres. Il faut dire que la situation est complexe et les difficultés majeures. La réticence pourrait provenir d'une volonté de ne pas donner au public le sentiment d'une perte de contrôle, tant dans la gouvernance des pays que dans le domaine de la sécurité militaire. Elle peut aussi signer la crainte d'affrontement avec des pouvoirs militaires beaucoup plus avancés et puissants, ou de se retrouver au cœur de dissensions et de guerres stellaires, extraterrestres, avec des conséquences qui pourraient être catastrophiques. Le péril est grand également pour les gouvernements d'être utilisés comme levier de pression contre d'autres nations, à un moment dans l'évolution de l'humanité où elle n'est peut-être pas encore pleinement capable d'accepter la présence extraterrestre. Le danger est également présent au sein des conflits extraterrestres contre extraterrestres, par exemple des extraterrestres en lien avec des contactés qui les vénèrent ou des groupes en ligne les utilisent comme moyen d'influence contre la Fédération Unie des Planètes, de laquelle ils ont été expulsés précisément à cause de leur comportement et du non-respect de la directive première. Les hauts conseils jugent leur intervention radicale et précipitée . Il se pourrait aussi que certains partis terrestres, fanatiques du pouvoir, rechignent à admettre publiquement que le contrôle des nations et de la planète est exercé à un autre niveau qui ne leur appartient pas. Et de manière plus humaniste, l'hésitation des gouvernements à s'engager officiellement et publiquement dans un contact frontal avec différentes nations stellaires, extraterrestres, exprime la crainte de la réaction d'une vaste majorité du public. Elle serait similaire, pense-t-il, à celle des années 1950, lorsque le président Eisenhower a permis à des observateurs d'assister à une rencontre avec des extraterrestres et qui fut pour tous un véritable choc dévastateur. Les traités qui ont été signés avec les gouvernements terrestres sont multiples et ont commencé dans les années 1930 avec des contacts entre les USA, la France, la Russie et des Pléiadiens, des Arcturiens ou des États, deux États réticuli. Puis de nouveau en 1953, les USA avec les Humites, 1954 les USA avec les Pléiadiens, en 54 également le collectif d'Orion. Toujours en 54 en France, en Russie, l'ONU, le Vatican, le Royaume-Uni. En 1966 la Russie. En 71, les USA de nouveau,
En 89, la Russie, les USA, en 90-91, l'ONU de nouveau. Dans cette liste que j'ai publiée dans mon livre Premier Contact, j'en ai relevé 19, soit de traités effectifs qui ont été signés par différents pays, soit des tentatives de contact. Plusieurs chefs d'État ont rencontré des délégations extraterrestres ou les ont accueillis dans leurs bases militaires, dans des groupes de travail, au sein de leur gouvernement ou de leurs équipes de recherche. Les plus célèbres sont les entrées numéro 6 et 7 dans la liste, les rencontres entre le président Dwight Eisenhower et plusieurs races d'extraterrestres qui sont souvent confondues et présentées comme s'il s'agissait d'une seule et même rencontre. Il n'en est rien. Il s'agit en réalité de 4 atterrissages et 4 rencontres au minimum, 2 fois 2 rencontres avec 2 délégations d'extraterrestres ennemis, la même année, le même mois, sur les mêmes bases militaires. Nous allons donc regarder ces 2 entrées, numéro 6 et 7, d'une part entre les Pléiadiens Téguétan, l'amiral Rachel de Temer en A et B, le collectif d'Orion, en 1954, également à quelques jours d'intervalle. Il y eut de très nombreuses tentatives de contact et de rencontres depuis les années 1900 et bien avant, mais celles qui sont les plus connues sont celles qui prirent place aux USA en février 1954. 2 fois 2 rencontres qui eurent lieu d'une part avec une délégation de Nordiques, des Blonds, représentant la Fédération Unie des Planètes, et d'autre part, vers la fin du mois de février 1954, avec une délégation originaire de Zeta Reticuli, des Petits Gris, envoyée en éclaireur en quelque sorte, suivi par la suite par un collectif d'Orion, les reptiliens maîtres, qui sont ce que l'on appelle des grands gris, et dans les mois et années à venir, les malakaks, les grands blancs, et les mantis, qui sont une race insectoïde. Alors les grands blancs ont été présentés par Charles Hall, qui était météorologue sur la base aérienne de Nellis de 1965 à 1967, et il décrit ses rencontres et ses contacts avec les grands blancs dans une série de livres qui s'appelle Millennial Hospitality, qui est composée de 3 volumes. Et les mantis ont été décrites par Simon Parks, et je vous ai ajouté son site. Voyons maintenant la rencontre qui a eu lieu les 18 et 20 et 21 février 1954 entre le président Eisenhower et les Nordiques. Du côté terrestre, le président Dwight D. Eisenhower, parti républicain, qui fut le 34e président des États-Unis d'Amérique, de 1952 à 1969. C'est un général 5 étoiles, General of the Army, qui est l'équivalent de la distinction de maréchal de France, commandant suprême de l'OTAN depuis 1950. Du côté extraterrestre, la maréchale Rachel de Temer, une nordique pléiadienne,
originaire de Tejet, l'un des 9 systèmes solaires de M45, la constellation du Taureau et l'amas des Pléiades. Temer est l'une des planètes orbitant Tejet, le Soleil, général 5 étoiles, maréchal de France, commandant suprême et représentante de la Fédération Unie des Planètes, appelée aussi Fédération Galactique ou Fédération Galactique des Mondes. Leurs grades, statuts et pouvoirs sont équivalents, mais d'un côté, il s'agit d'un homme terrestre et de l'autre, une femme extraterrestre. Une première rencontre eut lieu le jeudi 18 février 1954 et la seconde dans la nuit du samedi au dimanche 20 et 21 février 1954 sur la base Edwards de l'armée de l'air USAF, anciennement Muroc Airfield, située dans le désert des Mojaves en Californie aux USA. Cette base était utilisée pour les atterrissages des navettes spatiales lors de leur première mission. La maréchale Rachel de Temer a été mon premier contact nordique qui a débuté au mois de juin 2016 et qui en suivait d'autres que j'avais eus avec une autre race depuis le mois de mars. Mes relations avec elle se sont étendues sur un an, de juin 2016 à juin 2017. Lors de mes premiers contacts avec cette race, elle était accompagnée de 2 jeunes filles qu'elle supervisait et dont elle était le mentor. Les 2 jeunes filles extraterrestres étaient en apprentissage et développaient leur technique de communication avec une terrienne, c'est-à-dire avec moi. Rachel est de type humanoïde, l'une des 2 femmes les plus haut gradées de la flotte tejitane, l'autre étant la maréchale Asket de Temer, et chacune est également capitaine d'un vaisseau d'attaque, grade correspondant à celui d'un maréchal de l'armée française. Elles sont puissantes, très armées et déterminées. La maréchale Rachel est aussi membre et ambassadrice de la Fédération Unie des Planètes et le porte-parole de toutes les races qui en faisaient partie. Donc, dans le contexte extraterrestre, c'est une personne puissante, très importante et respectée, au même titre que le président Eisenhower qu'elle va rencontrer. Elle est âgée de 186 ans en 2016. Leur espérance de vie est de plus ou moins 900 ans, mais comme de nombreux extraterrestres, elle n'en paraît que 35. Elle est très jolie, assez grande, le teint pâle, son uniforme fait d'un textile nanotechnologique, près de la peau, la fait paraître au regard terrien quelque peu sexy. Le président Eisenhower, né en 1890, est âgé de 64 ans au moment des rencontres. De son point de vue, il va rencontrer la représentante d'une délégation de la Fédération, une femme prétendant venir d'une autre planète.
Et dans le contexte de la guerre froide qui s'est installée des années 1945 jusqu'à la chute des régimes communistes en Europe en 1989, c'est une menace à la sécurité des États-Unis qui est, comme la Fédération lui a souligné, à prendre très au sérieux. Et ces différences, hommes-femmes, jeunes-âgés, non prises en compte des grades militaires, idées préconçues et suspicions dans un contexte de forte tension géopolitique et où de plus les femmes n'ont pas de place en politique, comme vous allez le découvrir, vont représenter une difficulté majeure dans le déroulement et l'aboutissement de ces rencontres. Une première prise de contact avec le gouvernement américain avait déjà été établie en 1947 par le Haut Conseil de la Fédération Unie des Planètes par effraction de la sécurité du Pentagone en piratant leur radio. Le Haut Conseil voulait faire comprendre au gouvernement américain qu'il était plus puissant que lui et qu'il possédait des technologies capables de créer une brèche dans l'un des bâtiments les plus sécurisés au monde. Les USA étaient le pays cible parce que les Américains étaient à la pointe du développement nucléaire et la Fédération était déjà au courant de la présence de scientifiques allemands au sein du projet Paperclip. Notez bien ce projet pour la suite. L'opération Paperclip, originellement appelée Opération Overcast, fut menée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par l'état-major de l'armée des États-Unis afin d'exfiltrer et de recruter près de 1500 scientifiques allemands issus du complexe militaro-industriel de l'Allemagne nazie pour lutter contre l'URSS et récupérer les armes secrètes du Troisième Reich. Ces scientifiques effectuèrent des recherches, notamment sur les armes chimiques Zyklon B, l'usage de psychotropes comme le LSD, la conquête spatiale, les missiles balistiques et les armes à longue portée, les bombes volantes V1 et V2. La maréchale Rachel de Temer fut désignée par le Haut Conseil de la Fédération pour être le premier contact du président Eisenhower. C'est difficile de nos jours de trouver des extraterrestres qui parlent anglais, un homme de préférence, mais à l'époque c'était presque impossible. La maréchale Rachel avait appris l'anglais qu'elle maîtrisait parfaitement. De plus, son expérience militaire dans le contexte de la Terre et son calme étaient précieux pour entamer des pourparlers ou au contraire réagir en cas d'attaque. La difficulté était qu'elle était de la gente féminine. Serait-elle prise suffisamment au sérieux
par un puissant homme terrien? La base Edwards, anciennement Muroc, dans le désert des Mojaves, non loin de Los Angeles, avait été choisie car elle offre des pistes d'atterrissage très larges. La maréchale et son équipe la connaissaient bien parce qu'ils avaient fait des repérages lors d'une première visite en 1952, 2 ans plus tôt. Le président Eisenhower a donc accepté de les rencontrer et la date fut fixée au 18 février 1954, c'était un jeudi. Le vaisseau diplomatique de la maréchale Rachel était au bout de la piste la plus éloignée. Pour l'instant, il était en mode furtif, non visible, 100 mètres d'altitude, et tous les membres d'équipage présents surveillaient le déroulement des opérations. Le président Eisenhower est arrivé dans un avion bimoteur Lockheed Electra. Il n'était pas seul dans l'avion et était accompagné par plusieurs personnes, dont un membre de la CIA. Au sol, il n'y avait qu'une seule Jeep en vue avec des soldats armés. La maréchale demanda donc au président Eisenhower par radio de bien vouloir éloigner les soldats et de déconnecter les radars, ce qui fut fait. Le vaisseau de la Fédération descendit lentement pour que le président Eisenhower et les soldats le voient de leurs propres yeux et qu'ils réalisent que ce n'était pas le type d'engin qu'ils avaient l'habitude de voir. Ce qui donnait de la crédibilité à leur statut d'extraterrestre. C'était un vaisseau traditionnel, une soucoupe volante ronde de 22 mètres qui se posa sur 3 pieds. La rampe fut descendue et de son côté, l'escalier de l'avion présidentiel fit de même. Le président Eisenhower descendit le premier, vêtu de son traditionnel uniforme de couleur sable, portant son chapeau militaire et ses emblèmes. Ce n'était pas visible, mais les senseurs extraterrestres détectèrent que sous son uniforme, il était armé. Un membre d'équipage, accompagnant la maréchale Rachel, s'arrêta sur la rampe d'accès du vaisseau extraterrestre pour observer la scène de loin, prêt à intervenir si nécessaire. La maréchale descendit à son tour du vaisseau spatial, vêtue de son traditionnel uniforme, une pièce en matériel nanotechnologique gris bleuté qui épousait son corps. Elle n'avait pas d'armes. Ils se dirigèrent l'un vers l'autre et s'arrêtèrent à 2 mètres de distance. La maréchale se présenta en tant qu'amiral, membre du Haut Conseil de la Fédération Unie des Planètes. Il la dévisageait, dubitatif, comme un homme le fait lorsqu'il observe une femme intrigante qui était peut-être une espionne russe et pleinement dans son rôle de chef d'État, il dit avec force « Arrêtez vos conneries, qu'est-ce que vous voulez ?» «
La maréchale Rachel lui proposa d'aider les USA à se développer spirituellement, implémenter un nouveau type de société, l'énergie libre, des plans de réacteurs sans combustion et de nouveaux types de transmission électrique. Ce que la Fédération voulait en échange était le démantèlement et la destruction de tous les systèmes d'armement et le désarmement nucléaire total des USA. Il continua de l'observer pendant qu'elle invoquait le fait que si elle lui donnait des technologies, les terriens seraient incapables de les gérer et qu'elles seraient utilisées à des fins destructrices. Elle précisa que l'ionisation de l'énergie nucléaire ne ferait qu'apporter des problèmes à l'humanité et qu'il y avait de meilleures options énergétiques. La Fédération était prête à lui donner ses développements scientifiques en échange du désarmement. Elle ajouta sans détour que les terriens étaient sur la voie de l'autodestruction et qu'il fallait arrêter les guerres, la pollution, le saccage des richesses et des ressources naturelles et qu'ils apprennent à vivre ensemble de manière pacifique. Elle n'eut pas le temps de terminer sa phrase que le président Eisenhower rétorqua sèchement qu'il ne pouvait s'y engager parce que les Russes auraient la main haute contre les États-Unis. La maréchale insista en disant que les Russes, eux aussi, devraient procéder au désarmement et à l'abandon de toutes leurs armes. Le président Eisenhower accueillit ces propos avec une extrême méfiance, en particulier la condition majeure du désarmement nucléaire. Il croyait qu'en acceptant ces conditions, elle laisserait les USA impuissants face à des menaces russes ou extraterrestres qui, depuis 1953, vous le verrez peu après, devenait de plus en plus évidente. Il continua sur sa lancée en disant, mécontent, que sa rencontre avec elle faisait partie d'un complot communiste qui tentait de désarmer les États-Unis et sans attendre, d'une voix forte, il mit fin à l'entretien. Il fit un namasté en se penchant légèrement, tourna les talons et reprit l'avion. La maréchale Rachel remonta à bord du vaisseau de la Fédération et tout le monde se sépara. Fin de la première rencontre. Dès que la maréchale Rachel revint à bord de son vaisseau, son équipage et les membres de la Fédération qui l'accompagnaient firent un débriefing. Ils décidèrent de recontacter le président Eisenhower immédiatement en lui disant qu'il fallait qu'il y réfléchisse à deux fois, en prétendant, même si c'était inexact et qu'il l'utilisait comme moyen de pression, qu'ils avaient ensuite rendez-vous avec le Kremlin. Nouvelle menace à laquelle le président Eisenhower répondit en acceptant de les rencontrer une seconde fois, deux jours plus tard, dans la nuit du samedi au dimanche 20 et 21 février 1954.
Cette seconde rencontre se déroula comme la précédente, sur la même base d'Edwards. Cette fois, il y avait beaucoup plus de monde et de personnel militaire, aussi bien dans les bâtiments et dans les jeeps. Personne n'était armé, ou tout au moins, il n'y avait aucune arme pointée sur eux. Le président Eisenhower sortit beaucoup plus rapidement et la maréchale Rachel répéta ce qu'elle avait déjà dit en spécifiant que malheureusement, la Fédération ne pouvait pas lui proposer autre chose par respect de la directive première et des lois qui régissent les relations terrestres et non terrestres. Le président Eisenhower s'emporta en disant qu'elle n'était pas une extraterrestre et l'accusa d'être une nazie, de faire partie de la société Vril, qu'elle et ses compagnons se cachaient en Antarctique et qu'ils avaient été repérés par les services du renseignement de la CIA, qu'il avait reconnus sur des photos datant des années 1930 et 1940. Puis, sans lui laisser le temps de répondre, il fit demi-tour, remonta à bord de son avion et disparut. La rencontre se terminait une nouvelle fois par un fiasco. Pour un observateur extérieur non informé, la situation semblait très ambiguë. Un président qui, pour faire face à une menace à la sécurité des États-Unis et qui ne savait pas à l'avance qu'il allait rencontrer une jolie jeune femme, même si c'était une maréchale haut gradée de 186 ans, avait organisé des vacances en famille dans la région et avait dit à la presse qui le suivait qu'il s'était rendu chez son dentiste. Si cette rencontre était divulguée, les journaux auraient fait la une d'un président qui mentait, trompait sa femme et de surcroît avait emmené sa famille pour couvrir ses méfaits. Bigre. La maréchale Rachel ne l'a pas vu lors de plusieurs autres tentatives de pourparlers qui ont eu lieu. Les Pléiadiens entre 1957 et 1960 et les Oumains, les Humites, entre 1953 et 1962 et qui se sont toutes révélées aussi brèves et aussi infructueuses. Le président Eisenhower faisait probablement référence à Maria Horsig, médium autrichienne, prêtresse de la société Vril, qui prophétisa le crash d'un ovni à Fribourg en 1936. Il y avait un survivant à bord duquel le Führer aurait déclaré, après l'avoir rencontré en personne, « J'ai vu le surhomme et j'ai tremblé devant lui. » Grâce à cet événement, la technologie militaire et scientifique allemande connaîtra un développement extraordinaire. Maria Horsig est à l'origine de la mise au point du premier ovni nazi. Note de l'auteur, ce surhomme était peut-être un reptilien draco métamorphe sous forme humaine. Lorsqu'il rencontra la maréchale, la tension palpable chez le président Eisenhower était due à la situation géopolitique terrestre, tout autant qu'à l'annonce de vaisseaux extraterrestres orbitant la Terre. En effet,
En 1953, quelques mois auparavant, les astronomes américains avaient découvert dans l'espace de grands objets qui se dirigeaient vers la Terre. Ils avaient cru dans un premier temps qu'il s'agissait d'astéroïdes. Mais leurs recherches approfondies démontrèrent qu'il s'agissait de plusieurs vaisseaux spatiaux. Lorsqu'ils atteignirent la Terre, ils se mirent en très haute orbite géosynchrone autour de l'équateur et n'en bougèrent plus. Leurs intentions n'étaient pas connues et ce n'était pas rassurant. Les projets Sigma et Platon furent mis en place pour communiquer avec cette race d'extraterrestres en utilisant les communications radio et un langage informatique binaire. Ils réussirent par ce biais à organiser un premier atterrissage et une première rencontre face à face dans le désert du Mojave, et un membre de la délégation extraterrestre resta sur place comme gage de leur volonté de signer un traité avec les USA. Ce volontaire n'était autre qu'un membre royal de l'Empire reptilien Draco, Son Altesse Royale, Éminence Omnipotente Krrrl. Le projet Platon fut ensuite chargé des relations diplomatiques et de mettre en place les termes du traité. Ce qui intéressait les Américains étaient les technologies avancées d'attaque, les techniques de propulsion et les vaisseaux spatiaux. À la fin du mois de février 1954, après la rencontre infructueuse avec Rachel de Temer et les Nordiques, les ITA et Marter effectuèrent un second atterrissage, qui était donc le quatrième en tout, pendant cette période, également sur la base d'Edwards, où les termes de l'engagement entre les deux nations furent entérinés et le traité signé. Ils expliquèrent au président Eisenhower que leur race était en voie de disparition et que, mourante, elle ne pouvait survivre. Ils échangèrent donc une partie de leur technologie contre le droit de moissonner l'ADN humain et animal et faire des tests génétiques. Ils s'engagèrent à ne pas signer de traité avec une autre nation, ce qu'ils ne respectèrent pas en se rapprochant de la Russie, et ils outrepassèrent leur droit à enlever un nombre limité d'humains aux fins d'examens médicaux et de surveillance du développement humain. Ils précisèrent, mais faillirent à cet engagement également, de ne pas les blesser et de les remettre exactement à l'endroit où ils avaient été enlevés, dans les conditions où ils l'avaient été. Ils s'engagèrent à ce qu'aucune personne enlevée ne se souvienne qu'elle l'avait été. Les USA acceptèrent de fournir la liste de personnes à enlever. Comme vous l'avez déjà découvert dans l'article 14 et le témoignage du sergent Dan Sherman, entre 1960 et 1968, ces clauses du traité furent activées au sein du projet Preserve Destiny. Des tests aléatoires commencèrent à être effectués
pour déterminer la compatibilité génétique des populations et des listes nominatives furent établies. Elles étaient courtes au départ, mais les extraterrestres, outrepassant les termes des traités qui les liaient aux USA, étendirent leur emprise à d'autres nations et les listes d'enlèvement s'allongèrent par millions dans de nombreux pays. Il s'avéra aussi que les technologies reçues étaient défaillantes lorsque le gouvernement américain réclama le droit d'information scientifique. Ces races acceptèrent de les leur remettre en échange, cette fois de l'extension et de la construction de bases souterraines où l'échange des technologies se ferait de manière conjointe. Leur méthode de colonisation d'un monde déjà habité est de construire une première base opérationnelle souterraine, puis de l'étendre progressivement à toute la planète en construisant des tunnels en réseau qui relient des bases tactiques clés entre elles. Le début de cette emprise colonisatrice est réalisé grâce à une poignée de dirigeants, d'institutions et d'organismes en surface auxquels est consenti un pouvoir absolu. Les bases furent donc étendues ou construites dans l'Utah, le Colorado, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et dans le désert des Mojaves, la zone qui s'appelle la zone 51. Le terrain où fut aménagée la zone 51 fut acheté en 1955, quelques mois après la rencontre avec la délégation Zeta. Cette base est terrestre, mais elle a aussi une partie sous-marine. C'est pourquoi elle est gérée par la marine américaine. Elle possède des sous-marins nucléaires et est directement reliée au réseau subaquatique depuis la baie de Santa Monica près de Los Angeles. De là, les sous-marins peuvent rejoindre l'Antarctique et les autres bases dispersées à travers le monde. Dans le secret de service déployé comme les couches d'un oignon au cœur des complexes militaires américains et par conséquent au cœur des USA, que les extraterrestres rejoignaient maintenant en vaisseau spatial en utilisant la Lune, comme halte intermédiaire, et comme base expérimentale, le sort
de millions de terriens abductés et celui d'animaux morts mystérieusement venait d'être scellé.